Bonjour à tous, petite revue de liquide. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va se faire un liquide de chez Suprême E. Une vanille, la vaniglia, ils appellent ça. De chez Suprême E en 8 mg de nicotine. Ce sont des flacons de 20 ml, souples, avec bac de cachetage, sécurité enfant sur le bouchon, pipette de remplissage assez fine, pas de soucis. On est les pictos obligatoires. Avec l'interdiction moins de 18 ans, la composition du liquide, la date de péremption, le numéro de l'eau, enfin bon là on est sur des flaconnages qui sont très 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 bien. On va mettre ça dans le A7 sur le mini Provari. Je vais mettre quelques gouttes, j'ai déjà préchargé la taux. Voilà, on va pas en mettre de trop pour pas que ça se mette à glouglouter. Et on y va pour la vanille de chez Suprême E, vanille Bourbon. Au niveau du hit, on est sur un hit en milieu de gorge. À 8 mg bien placé, il n'y a pas de souci. Au niveau de l'arôme, on est sur un produit qui reste bien en bouche, mais qui a une certaine sécheresse, bien typique de la vanille Bourbon. Encore une fois, c'est un arôme naturel et qui est vraiment bien retranscrit. Il n'y a pas grand chose à dire. Une fois qu'on a dit qu'on était sur une vanille Bourbon, on s'attend pas du tout à une vanille custard. C'est pas sucré, c'est pas onctueux, c'est pas moelleux, c'est plutôt sec. C'est plutôt le goût d'une vanille vraiment classique Bourbon. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. C'est bon, c'est bien réalisé. Peut-être un petit peu léger en flavor, mais comme ça, c'est un peu comme d'habitude. Donc voilà. C'est un bon liquide, bien fait, mais qui donc ne plaira pas à tous ceux qui aiment les vanilles custard, c'est pas la peine. Faut vraiment aimer la vanille classique. Et ça passe très très bien. On va voir au niveau de la vapeur. Produit en 50-50 qui développe une belle vapeur, faut peut-être pas trop se fier là parce que mon ato est pas vraiment en état, on va dire. On se rend quand même bien compte, la vapeur est bien épaisse. C'est un bon 50-50. Voilà ce que j'avais à vous dire pour la vanille de chez Vaniglia de chez Suprême E. C'est un bon liquide pour tous ceux qui aiment les vanilles sèches. Moi je les appelle comme ça, des vanilles sèches. Donc une vanille sans aucun ajout et aux arômes naturels. C'est assez agréable pour ceux qui aiment la vanille sans avoir un trop goût prenant, sucré. Limite écœurant en bouche, un peu comme la vanille custard ou le Mrs. BS. Là, on est plutôt sur un truc qui va pouvoir être vapé toute la journée. Pour ce qui me concerne, c'est pas ma vape la vanille, pas spécialement, pas sous cette forme-là, plutôt en custard, oui, là oui. Donc c'est un liquide que je pourrais pas vaper toute la journée. Néanmoins, c'est agréable et c'est bien fait. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire pour la vanille. Maintenant, j'ai une petite précision à faire pour la chaîne en elle-même. J'ai fait donc deux concours jusqu'à présent dans toute l'histoire, dans toutes les vidéos que j'ai faites. J'ai fait deux concours, donc un pour les 100 abonnés, un pour les 250 abonnés. Le prochain concours aura lieu à 500 abonnés, pas avant. Ce sera quelque chose de plus important. Mais je vais donc plus faire de concours rapidement, maintenant. Par contre, j'ai décidé de changer le principe de ma chaîne YouTube, c'est-à-dire que tous les peut-être 4, 5, 6 liquides, je ne sais pas encore, de temps en temps, je ferai gagner le liquide que je viens de reviewer par tirage au sort à la fin de la vidéo. Vous aurez donc si vous êtes dans les abonnés, je prendrai ma liste d'abonnés et je ferai un tirage au sort sur random.org et je ferai gagner le liquide. La personne me contactera pour avoir son adresse et j'enverrai le liquide qui a été testé. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. J'espère que vous allez bien, parce que j'ai mis un peu de temps à refaire des vidéos ces derniers temps. Beaucoup de travail. Et donc voilà, je vais vous souhaiter une bonne vape. Vous pouvez vous abonner si le cœur vous en dit, liker ou disliker. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne vape, et à la prochaine sur d'autres vidéos.
Bye.